Nous avons appelé à la mobilisation pour faire ce tri. Vous avez quand même plusieurs dizaines de milliers de masques qui doivent être distribués à partir de la semaine prochaine dans la ville. En tout, on a commandé près de 80 000 masques pour pouvoir pourvoir à toute la population ajaxienne, mais également à la CAPA. On va aussi transporter dans chaque commune de la CAPA un nombre de masques équivalent au nombre d'habitants sur les 9 autres communes de la CAPA. Nous sommes sur un masque par habitant, utilisable 20 fois, lavable. En fait, aujourd'hui, on met les étiquettes sur les enveloppes. On met également la notice explicative pour l'utilisation du masque et un petit mot que j'ai signé pour expliquer d'où proviennent ces matériels. Je voudrais remercier naturellement l'ensemble des gens qui sont volontaires. Il y a beaucoup d'élus de ma majorité municipale qui sont présents aujourd'hui, mais il y a également des agents de mairie et la sécurité civile qu'on ne peut pas manquer en orange et bleu, qui sont toujours présents et que je remercie chaleureusement. Donc c'est une première étape, puisqu'ensuite on procédera également à la mise en pli des masques. Donc aujourd'hui, on n'est que sur une première phase. Et ensuite, il y aura de la distribution naturellement dans les boîtes aux lettres. Dans le courant de la semaine prochaine, nous arpenterons les rues de la ville et les immeubles de la ville en faisant naturellement très attention au niveau de la sécurité sanitaire. Donc aujourd'hui, voilà, comme vous pouvez le constater, les choses sont faites quand même avec un respect scrupuleux de tout ce qui est préconisé.